Hello tout le monde, c'est Sisside et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Siberia 2 et je vois la tête de Pixel totalement décomposée. Oh mais ça va revenir, t'inquiète pas. Problème technique hein, de son qui revient pas dans le casque. Bon alors la dernière fois on en était rendu à cette énigme. Et je ne savais pas quoi faire. Je crois que j'avais calé à la bonne numérotation là avec les 4-8 tout en haut. La seule chose que je ne savais pas trop quoi faire, c'est au niveau des autres interrupteurs. Je ne savais pas lequel enclencher et tout. Alors pourquoi je suis devant comment on appelle ça, un panneau de contrôle d'un avion, c'est parce que en nous promenant dans la forêt, dans la montagne, hein, notre but, notre objectif, c'est de récupérer le train qui a été volé par deux Russes. Entre-temps, il y a un avion qui s'est écrasé, hein, tout se passe bien, c'est une journée normale pour Kate Walker. Et forcément, bah, je sais pas pourquoi, Kate a envie de réveiller le fameux pilote de cet avion. Il a un coup dans le nez. Je suppose, hein, vu qu'il était totalement endormi en s'écrasant. Et du coup, je me demande, maintenant, je suis bloquée sur cette énigme. J'avais commencé 10 ou un quart d'heure avant la fin de la vidéo. Et je savais pas trop quoi faire. Alors, la dernière fois, je m'étais dit que j'allais faire ça sur une feuille à part. Il y a des interrupteurs auxquels je n'ai forcément pas touché. Donc on va voir ça maintenant. Alors je sais que les deux bitonios là qui se trouvent là, faut que je les active tous les deux. Voilà, ça au moins on le sait. Ça n'a aucune incidence. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça a une incidence. Ça, faut que je le laisse relever. En fait, j'ai accès à ça, celui-là, les deux sur le côté et les deux en bas. Donc on va numéroter. 1, le petit bitonio qu'il y a ici. 2, le bitonio ici. Ah ouais, mais du coup, ça me dit pas s'il est en on-off. Haha. Parce qu'il y a deux positions à chaque fois. Bah, je vais mettre un petit. Je mettrai des petites flèches. Voilà, pour me repérer un temps soit peu. Ça et ça. 3 et 4. 5 et 6. Ok, bon, on va partir du principe que on les a tous en haut. Comme ça, ça va nous dire un petit peu ce qui se passe. Donc celui-là en haut. Celui-là, on va considérer qu'il est en haut. Mais je peux rien faire d'autre, non. Ça, je mets en haut. Ça, je mets en haut. Ah ouais, mais du coup, là, il n'y a pas une histoire de haut ou de bas. On va dire à droite pour les deux. Voilà, et j'appuie. Et je peux pas me barrer pendant que je fais ça, non. Ok. Va dans tes périphériques son pixel. Et tu désactives tes haut-parleurs. Parce que je vois Pixel qui tape sur son bureau. Il y a tellement de possibilités, c'est horrible. Bon, on va tous les mettre en bas. Je crois que c'est au pif. Hein. Je pense. Hein. En bas, en bas, en bas. En bas, hop. Il ne se passe rien non plus. Il n'y a rien d'autre. Non. Ok. Bon. En haut.
en bas. En haut. En haut. À droite. À droite. Il n'y a rien qui me dit si c'est bon, si c'est pas bon. La fille qui est totalement désespérée. En fait, il y a une quantité de possibilités, c'est impossible. Impossible de deviner quoi, enfin quoi. Parce que le vert, c'est quoi ça? Attendez là. Attendez, attendez, attendez. Je viens de faire un truc. Je viens de faire un truc qui ne faisait pas auparavant. 2-8. Il m'a mis 2-8. La fille qui fait tout au pif. À force, c'est ça. Et on peut pas mettre à 0, ça, si. Après peut-être que ce sera mieux là, mais... Là j'ai eu des chiffres. Ce que je n'avais pas auparavant, ça me mettait 4-8. Il y a un mieux. Non? Il y a un mieux, il y a un mieux. En fait, faut pas que j'active le premier alors. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je t'ai pas dit de te mettre là. Y a rien au sol, hein, on est d'accord, y a pas de... Je peux pas lui balancer la poupée russe dans la gueule. Moi, y a pas... J'ai aucun remords. Non, zut. Putain, au moins elle aurait pu servir, là. C'est en train d'encombrer mon inventaire pour rien. Non, non, à part regarder la... le cockpit... Ok, bon. Je suis sceptique. J'ai l'impression d'avoir avancé, j'ai l'impression. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, en fait, histoire de... Il se passe rien là. Non. D'accord, faut que je laisse ça en haut, faut que je laisse ça en bas. Ok, ça fait. Et là, il se passe pas grand chose en fait quand je
fripouille dans tous les sens. Mais faudrait pas que j'ai les deux chiffres de devant en fait. Ou soit... Parce que ça, c'est peut-être inutilisable, hein, tout simplement. Et j'appuie dessus comme une forcenée. Aïe! Oh, je me suis fait tellement mal au coude. Ou aussi bien, il faut qu'on devine les deux premiers chiffres. T'entends, là? Ça, c'est pour plus tard. Je sens que c'est pour plus tard. Peut-être... Alors là, j'ai repéré un truc. Peut-être qu'il faut que j'aille là-bas. Et que, bah, j'essaie. Ah putain, mais il y en a plein des combinaisons, ouais. Ça peut être 1-1. Bah, en tout cas, c'est pas 0-0-28. Hein. C'est pas ça. En fait, on peut faire 1. En soi, non, c'est pas si long que ça. Enfin, ça dépend si le truc il me dit oui que c'est bon ou... Ça marche pas. De toute manière, ceux que j'écris, c'est forcément ceux qui marchent pas. Hein. Il y a un truc plus simple pour déterminer si c'est bon ou pas, et moi je fais de la merde comme d'hab. Ok, il n'y a rien qui change et rien qui m'indique si c'est bon ou pas. On va essayer avec un 2 en premier. Ah oui, je peux faire ça pendant longtemps. En même temps, j'ai pas de meilleure solution. Attendez, j'écoute. Et le tempo n'accélère pas ou quoi que ce soit, donc... Allez, go! C'est moi ou ça a accéléré? Ou je délire. C'est ça. Je délire. Tout va bien. Ça peut durer longtemps. Hein, parce qu'après, il faut que je fasse... aussi... Je suis sûre qu'il faut déterminer les deux premiers chiffres pour débloquer le reste de la situation. C'est méga long. C'est vraiment des enfoirés ceux qui ont fait le jeu. Merci Microïd. Le jeu de l'enfer. Où je t'aurais déjà tout débranché, j'aurais balancé la poupée russe dans la gueule au pilote. Ça aurait fait l'affaire. Je suis sûre en plus qu'il se serait réveillé. C'est passionnant, hein. Vive les jeux de point and click. Non mais en même temps, j'ai rien, pas d'indice et tout quoi. C'est genre démerde-toi, je crois que je l'ai fait celui-là. Attendez, il nous reste le deuxième.
Et si ces enfoirés nous avaient pas mis les deux derniers chiffres, les deux bons derniers chiffres? Bah je pense pas, parce que pourtant j'ai bidouillé un petit peu tous les boutons et ça m'a. C'est les seuls chiffres qui apparaissaient. Je pense. On reteste. Hein. Hop, on est au 7. Au secours! C'est pas laborieux du tout. La 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 la. Je suis sûre qu'on va rester un épisode entier sur ce truc. Mais j'ai envie de réussir sans les solutions. Vous voyez cette détermination là? Je suis sûre quand j'aurai tout essayé, je vais en avoir ras-le-bol. Je vais aller regarder. Mais il faut pas, c'est pas bien. Il faut pas. On a une certaine satisfaction quand on arrive à trouver les solutions, tu vois? Genre, t'es la meilleure personne au monde, t'es la personne la plus intelligente. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi. En fait, ça change pas du tout quoi. Je croyais que la fréquence, ah, elle s'accélérait. Bonjour. Mais non. Une vraie catastrophe. Le 0-0, j'avais déjà utilisé. Maintenant, qu'est-ce que je fous? C'est le contraire. Donc, ça, on a déjà fait. Hop. Ça, j'avais déjà fait. C'est passionnant. Non! Je suis sûre que je fais ça pour rien. Je suis désolée s'il y a des bruits de scooter en arrière-fond. Hein. Kéké des Bois qui sort son scooter. Il fait chaud. Obligé de laisser la fenêtre ouverte. Non, je suis sûre que je fais de la merde. Hein. C'est bon, ça fait moins de crépitement. C'est la folie. C'est ça. Boris, Boris, me recevez-vous? Franchement, à part faire du Réveillez-vous, test, Boris. je vois pas. Hein. Réveillez-vous. Qu'est-ce que je fais ici? Là, il parle super fort quand Mais même. Je veux hein. descendre, Quand laissez-moi j'arrive à descendre. l'entendre. Détachez-vous, Boris. Me détacher? Ah oui, bien sûr. Je me détache tout de suite. Ah, le meilleur jeu J'espère qu'il ne d'acteur s'est de pas fait tous les trop mal. temps. Oh la vache, presque un épisode entier pour résoudre le truc. Mais j'ai trouvé. Donc, à part faire avancer et commettre des erreurs, je vois pas quoi. Après, il fallait peut-être se diriger au son. Comme je vous ai dit, j'ai eu l'impression que les crépitements s'atténuaient quand j'ai commencé à mettre sur. J'ai mis 0,3, je crois. Donc, ouais, tu pressentais qu'on était plus près. Mais il est là. Salaud, je vais te balancer ma poupée russe! Boris! Eh oui! Ah, Kate Walker!
C'est le fameux type que l'on rencontre dans Irréparable. Sibérien 1, oui, c'est vrai, et ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, d'ailleurs, ça doit être en début de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous laisserai aller regarder la playlist qui est toujours disponible, hein. Je n'enlève rien des vieilles vidéos de ma chaîne. Au contraire, je vous conseille fortement à aller regarder mon let's play que j'avais pu faire sur ce jeu. Mon pauvre Boris, votre aile volante est en piteux état. J'ai volé parmi les étoiles, Kate Walker. C'est ce qui compte. C'était un alcoolique. Il voulait aller sur la Lune. Hans Vorarlberg a été kidnappé, Boris. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Deux malfaiteurs ont embêté Hans Vorarlberg. La dame te dit que... Je suis à leur poursuite. Pauvre monsieur Vorarlberg. Hélas, ma belle, je suis pas sûr de t'être d'une quelconque utilité. Je comprends. Ok, je t'ai aidé à te sortir de là, mais tu me rends pas l'appareil. Écoute, Hans n'est pas en très bonne santé, vous comprenez? Je comprends. Je t'aiderais si je pouvais. Mais le mec est pas du tout redevable, quoi. Non, mais attends, je t'aurais dû te laisser coincé dans l'arbre, hein, c'était plus simple. Moyen de redescendre. Je me suis fait chier durant deux épisodes à te faire descendre de l'arbre. T'en as rien à faire. Vous êtes certain que je ne pourrais pas me servir de votre aile volante? J'en suis sûr. Alors moi j'appelle ça un avion. Je savais que l'atterrissage serait un peu dur. Alors je me suis éjecté. Mais il y a peut-être un moyen d'activer le siège éjectable du copilote. Il faudrait tenter d'actionner le système de contrôle manuel. Et t'as le manuel du truc ou pas? Je vais tenter de trouver un moyen d'activer le siège éjectable. Attends, c'est ton truc et tu sais même pas comment ça marche? Je reste là. Pendant ce temps-là, je me gratte les bouboules de bowling hein, pendant que t'es en train de... D'accord, il a ouvert le panneau sur le côté. Alors moi, tout à l'heure, j'avais pas le droit. Ça servait à rien, franchement. Voilà. Oh, encore des trucs là, non mais sérieusement. Niet, niet. Avec ces coordonnées là, vous allez vous fracasser contre la falaise. Comment je sais les coordonnées, pauvre tâche? Oui, je l'insulte. Parce que c'est un enfoiré. Mais comment je sais? Attends, il y en a combien des trajectoires? Oh punaise, non mais t'es sérieux? Ben je sais pas combien il est là le truc. Niet, niet. Avec ces coordonnées là, vous allez. Attends, mais au lieu de me dire ça, là, t'as qu'à m'aider. Pauvre con. Non, sérieux, on est obligé de repartir sur du. On fait un à un les trucs, mais ça va être encore plus long que ce qu'on a pu faire là depuis tout à l'heure. On met 2-8. Non, mais ça, c'est pas les coordonnées, ça quoi. Vas-y, allez, éjecte-moi. Niet, au niet. Secours! Avec j'en ces coordonnées marre. Là, vous allez vous fracasser contre la falaise. Ouais, en fait, j'y vais à pied, Boris. Hein. Allez, salut. Ah, oh, ça me saoule. Mais vas-y, casse-toi. Mais comment je suis censée savoir les coordonnées de ce truc? Ah, mais quand t'es gosse, mais c'est une purge, quoi. J'avais pas le souvenir. Je crois que j'ai dû me prendre les solutions hein, pour m'éviter tout problème. En même temps. Non, parce que là, j'ai quand même 4 chiffres, quoi. Et le nombre de possibilités... Vas-y, je fais pas un tableau de probabilité, quoi. À votre avis, est-ce qu'il faut que j'utilise encore l'antenne? Je pense pas. Hein. De toute manière, je peux pas capter. Je peux encore bouger ce truc? Ah ouais. Je peux déterminer les coordonnées avec ça ou pas? Je sais même pas. Oh là là. Il est pas là plutôt le... Je dis n'importe quoi. Hein. Je vous préviens que là je fais vraiment du pifomètre. Hein. J'aimerais bien genre avoir une idée de là où... Ah
Est-ce qu'il arriverait à détecter quelque chose? C'est ça dont je me pose la question, en fait. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est marqué comme le port Salut 03. Au secours. Non. Ah. Je capte quelque chose. C'était marqué sur un... Putain, quel est con. Je n'ai pas besoin de... Hey oh. Les mecs, ils sont sur le train. Ouh. Alors, il y a du 50. Merde. Donc, ouais, mais c'est quoi, ça? C'est la... Mais en fait, faut que je fasse du 50 minimum et du 100 maximum. Ça m'étonnerait, mais... Bon. Et là en haut, ça me fait C et B. Ça, c'est marqué comme le port salut, c'était marqué dessus. Mais vous avez vu, c'était marqué sur ce truc-là. Bon, par contre, C et B, j'aurais du mal à mettre ça dans le... C'est versé. Bon. Ben, on va voir. Je capte quelque chose. Donc c'est peut-être le train que j'arrive à capter. Je pense, hein. Ça, c'est Madame Bricot, quoi. Non, mais regardez-moi ça. Kate Walker, une avocate hors pair qui est en train d'essayer de régler une radio. Et un siège éjectable. C'est pour vous dire à quel point elle est tombée dans le ridicule. Je n'imaginais pas vous revoir. Non, mais on s'en fout. Ah, le destin est une curieuse affaire, Kate Walker. Boris. Oui, tu pourrais m'aider, s'il te plaît, bâtard. Le système de contrôle manuel du siège éjectable de votre aile volante. Il faut entrer les coordonnées de la direction de votre objectif, mais je crains que le radar ne soit hors d'usage. Eh bien, un de ces jours. Merci pour cette aide, bonne chance, Boris. Ma belle. Un de ces jours. Putain, mais tu sers strictement à rien. Déjà dans Siberia 1, tu servais à rien. Bon, je vais essayer une dernière fois. Mais je pense qu'on est... Je pense qu'on est sur la bonne voie. Hein. Je pense, hein. Très sincèrement. Je crois que c'est du 50 mini. Tu peux aller jusqu'à 90. Ah mais c'est 50, pourquoi d'ailleurs? Ah bah non, mais 50 à partir des deux, en fait. Je te mets au milieu. Salaud. Niette. Avec ces coordonnées-là, vous allez vous fracasser contre la falaise. Mais là, il me reste plein de trucs, là. Mais c'est pas possible. On va jamais y arriver, hein. Secours. Non mais ça va être super long, vous vous rendez compte, j'ai 4 trucs à activer. Et à chaque fois l'autre débile qui me dit non, c'est pas bon. Avec ces coordonnées là, vous allez vous fracasser contre la falaise. On essaye une ligne et on va se laisser là-dessus. Avec ces coordonnées là, vous allez vous fracasser contre non. la falaise. Là, c'est le genre d'énigme que j'aime pas, quoi. Niet, niet. Encore, j'étais mauvaise langue sur le truc d'avant, ok. Il y avait, c'était marqué, niet, hein, niet. Il y avait les deux avec chiffres ces coordonnées qui étaient marqués. Là, vous allez vous fracasser contre la falaise. Pas.
que je réfléchisse. Ou essayons de faire ça proprement. Je pense qu'il faut, réfléchir avant tout. Il y avait... En haut, il y avait le 0. À gauche, il y avait 3. Et c'est marqué C et B. 4. Alors, 1, 2. 4, 5. Alors, ce serait 6 vers le haut. Et ce serait 9 à droite. Je tente, hein. J'essaye de comprendre. Il y a peut-être moyen de... Je pense, dans ce sens-là. Alors, du coup, la flèche est 6 et... entre 6 et 9. Tu vois ? La meuf qui sait pas du tout ce qu'elle fait. Je sais pas ce que je fais. Mais le problème, c'est que ça, c'est quoi, là? Ah, ça, c'est... La piste, ça, c'est les ordonnées. Longitude, la... On va vérifier, hein, parce que moi, pas très douée là-dedans. Alors, attendez, on va regarder ça vite fait. Il n'y a pas une définition très simple. On apprend de tout, hein. Franchement. Avec Kate Walker, on apprend à émettre des coordonnées, c'est trop bien. Et à bien régler sa radio. C'est génial. Mais là, longitude. Parce que moi ça me m'indique pas vraiment. Pourquoi je recherche ça en fait à la base? La fille sait plus. Alors, c'était quoi, ça? Le 28... Donc, si on est logique... Si on reprend la logique de ce qu'il y avait là, en fait, à la base, c'est qu'ici, on aurait, en fait, obligatoirement... 6 et... Et maximal 9, ici, là. Si on est logique. Mais c'est pas logique. Je sais pas. Ou 6, 9. Mais l'autre, c'était dans quel quartier? Je comprends pas. Comment c'était foutu? Je suis sûre, il y a une histoire de... Attends. On retourne là-bas. Ça va être trop long. Faire des allers-retours, ça c'est le côté chiant de Sibérie en fait. Les allers-retours sans arrêt qu'on doit faire entre... Et quand on va partir de cette zone, mais je peux vous dire, je serai contente.
le truc était sûr. Ah, dans ce cas-là, c'est plutôt... Attendez là. Pourquoi il n'y a que 3 là? Et là, là c'était pour... Là, c'est où se trouvait le... Ok. Bah non, mais selon la jeu... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. De tout mon être, j'ai envie de pleurer. Alors, comment on est... Pourquoi on a déterminé 0,3 là, en fait? Parce que c'est marqué 10 finalement. Eh. Non, vous voyez même pas le 3. Je comprends. En fait, j'ai du mal à comprendre cette logique. Sniff. Non! Oh là là, la catastrophe. Ça, en fait, là, je pouvais pas déterminer que c'était 0,3 au début, quoi. Enfin... En aucun cas. En fait, le truc qui avait d'apparence était... C'était le 10, mais ça servait à rien. Mais en fait, finalement, non, je n'ai rien compris. Je croyais avoir compris du tout au tout. Ce n'est pas le cas. Boum ! Bon, on va se laisser là-dessus sur un échec cuisant de cette compréhension d'énigme. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Du tout, même. Je pensais, en fait, je pensais sur la logique que c'était un 0 qui était en bas... de la boussole qu'on a tout en haut de l'antenne, là, celle-là. Il s'avérait que non, c'était un 10. Ça fait chier, parce que moi, je voulais mettre 0, 3, 6, 9. Après, c'est possible, hein. Bah non, c'est pas possible, parce que si c'est 9 à droite, ça aurait été 12 en bas. Et là, je suis triste. Bon, je sais pas trop quoi faire. Je n'ai pas trop d'idées pour la prochaine fois. Surtout que là, je peux pas m'amuser à les faire un par un. C'est super long et j'aimerais comprendre la logique de cette énigme. Encore l'autre, j'ai fait au pifomètre. On a réussi, mais alors là... J'ai du mal à comprendre. En fait, je me demande, est-ce que... Enfin, je pense que l'antenne peut nous servir dans l'énigme. Mais alors, comment bien l'utiliser, ça? C'est en dehors de mon champ de compétences. Bon, on va cesser là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Siberia 2 vous aura plu. Et croisez les doigts de vos mains, les doigts de pied. Et croisez vos cheveux. Tout ce que vous pouvez croiser pour que j'arrive à trouver par moi-même la solution à cette énigme de merde. Allez, à la semaine prochaine.